Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 55 et 56 de la Ford Mustang. Alors, numéro 55, donc les silencieux d'échappement, donc pièces plastiques, hein, c'est un petit peu dommage, mais bon, tant pis. Hein. Malheureusement, donc un petit numéro, puisqu'on va juste assembler 4 pièces ensemble, les fixer, et puis bah basta, hein, c'est tout. Donc là, on a vraiment un tout petit pas à pas. Un tout petit pas à pas sur une superbe collection. Donc ça, c'était notre numéro 55. Et puis, numéro 56, et ben donc la suite, hein, on va dire, la sortie de centrale d'échappement. Donc on a une pièce et on va venir mettre ce que l'on a fait sur le numéro 55, les fixer. Et puis, ce que j'aime bien sur cette collection, c'est que les pièces ne traînent pas trop dans la boîte, puisque on va venir mettre en place, et ben tout simplement, ces silencieux et notre montage 55 et 56. Voilà. Et puis, voilà, l'image parle d'elle-même. Résultat final au numéro 55 et 56. Voilà. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Franchement, au départ, je n'aimais pas la couleur. Mais maintenant, je la trouve magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Pièces malheureusement plastiques. Hein. Bon, très très bien faites. Imitation acier relativement bien faite. Mais bon, malheureusement, et c'est du plastique. Alors, on a à l'intérieur L et R de gravé. Donc là, hein, il n'y a pas de mystère. Il s'agit juste, voilà, d'emboîter les parties comme ceci ensemble. Donc on fait pareil avec les parties R. Et puis, eh ben, on a 1, 2, 3 trous ici. Donc pour 3 vis. Et ce sont des vis PS2. Donc on met nos trois vis ici et puis tout simplement aussi ici. Donc voici qui est fait et ce qui conclut donc notre numéro 55. Et puis on va passer gentiment au numéro 56. Alors voici notre pièce du numéro 56. Alors on va venir la présenter comme ceci. Donc la partie légèrement creusée vers nous. On va prendre alors le premier tube. Alors, ouais, qui va venir s'emboîter. Donc, comme on peut le voir, les deux formes s'emboîtent parfaitement. Ouais. Donc, une fois qu'on retourne ici, on a un trou pour une vis PS2. Donc voici qui est fait. Étape 3, bah, tout simplement, on va faire exactement pareil. On présente l'autre partie, on retourne. Et donc ici, pareil, une petite vis PS2. Voilà qui est fait. Alors ensuite, on récupère la bête et puis on va venir. Alors, positionner donc ces parties-là, juste qui viennent se prendre dans nos deux pièces. En dessous de nos pièces, nous avons deux encoches qui vont réceptionner donc les deux bouts de nos silencieux, je crois. Et puis, regardez, eh, c'est pas magique ça, c'est déjà en place. Alors, ensuite, il faut retourner le tout en maintenant, hop, alors, nos pièces en place.
Hop, si je faisais l'inverse, ce serait peut-être mieux. Donc peut-être que... Alors je fais attention. Voilà, ouais. Peut-être que plutôt que de la remettre à plat sur ces quatre roues, la maintenir comme ça sur le côté. Et puis, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ici, ici, et puis, hop, donc, juste ici et ici, on va venir fixer le tout avec quatre vis PS5. Et donc, voici qui est fait et on a un très très beau résultat quand même. Franchement, bon, malgré que ce soit du plastique, hein, cette partie de ligne d'échappement, bon, même l'arrière, hein, c'est du plastique malheureusement. Mais ouais, on a quand même un très très bel effet sur une très belle collection. J'adore, franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Hâte d'avancer sur cette collection, malgré qu'on avance très très bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais pressé de voir, je sais pas pour vous, moi c'est la, comment ça s'appelle? C'est la carrosserie que je suis pressé de voir, de l'avoir dans les mains. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!